Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, l'anal du destin. On va aller au poste de police, pardon, j'allais dire à la gendarmerie, mais non, c'est le poste de police. Bonjour, est-ce que vous m'ignorez? Oh, bah merde. Vous fermez vos voitures maintenant? Mais c'est dégueulasse. Ok, cool. Par contre, je vois qu'il y a comme une partie marron ici. Ah non. En fait, non. Tant pis. Bon, bah voilà. C'est pas grave. Ok, le comté de Park. Je l'avais pas vu. Des coco chips. Regardez. Puis-je... non, par contre, ça va pas falloir faire. Ça va pas falloir faire, les gens. What? Un prof de yoga? What? Merci de m'avoir ouvert! So then the wop says to the Polak, if I wanted tits, I'd have beat up the nip in the black guy's hat. Bonjour. Yeah, run along, knucklehead. Quoi? I don't take pics with greenhorns. What? Non, il veut pas lui. Par contre, il y avait un coffre derrière lui, d'accord. You can trust us, kid. We're the good guys. Oh! We are the good guys! Ok. Faisons comme si rien n'était. Faisons comme s'il n'avait rien à faire ici. Hop. Je vois une boîte ici. Non. Mais bien sûr, envoyer un pétard dans n'importe quel commissariat n'est pas un problème. Ne l'oubliez pas, vous avez le droit de faire ça. Break room. Qu'est-ce qu'on va y trouver? J'ai pris un beignet à la confiture bio. Oui, bonheur. Y a-t-il du yaoi chez les flics? Telle est la question. Il y en a. Mon dieu. Balayé, déchiré, déchiqueté, complètement dé... Bref, pardon. Sérum, tac... Taquito grande. D'accord, ok, je connaissais pas. Recette, non, y a pas d'arrêt. Si, objet de création. Bah non, merde, toi pour moi. Chez les hommes. You. J'ai pas encore fait caca chez les hommes, mais. Faut que je sois honnête avec vous, j'ai pas trop envie de le faire. C'est combien d'étoiles? 2 en plus. Bah, c'est une vérité. Voilà. On remonte, on remet les gaz et on repart avec ça. Crème à la Washington. Vas-y, tombe. C'est bon. Oh, je n'ai fait une comme ça hier soir. J'étais avec ma manette tranquillement sur les chiottes et puis j'ai... Bref. Boum. Wouh. Les chiottes des femmes. Why not? Prendre. Qu'est-ce que c'est? Perruque de Yolanda. Ok. Why not? Flacon de pizza. Je sais pas ce que je suis censé faire de ces flacons, mais... Mais c'est pas grave. Alors, on ouvre cette porte. Que se cache-t-il derrière la porte numéro 1? Wouh! Je prends la robe de Yolanda. Que se cache-t-il derrière la porte numéro 2? Des chiottes. Bon, on y va. On va faire les chiottes de droite d'abord. Toilette de police des policières. 4 étoiles. Oh! Ah non, par contre, va falloir arrêter de faire ça, les gens. Vide inversé, voilà. On remet les gaz. Hop. Ok. C'est pas facile, hein. Et visuellement, ça va être rigolo à regarder, hein. Ok. Allez, on monte. Voilà. C'est bon. C'est pas si simple, honnêtement. Voilà, une belle crotte. Alors, question. Si j'ai fait celle de droite, vous voyez que ça va m'afficher... Peut-être... Voilà, comme quoi je l'ai fait, et celle-là... Ne sont pas faites, vous voyez. Comme quoi, toilette de Yolanda, voyez. Ouh. Oh, le petit bruit bien dégueulasse.
Ah, c'est bon. Ok. Ça se passe plutôt bien. On fait un bon gros caca. Mauvaise sortie. C'est quoi ce nom? C'est quoi ce nom? Expulse-la. Oui. Oui, c'est bon. Voilà. Ok. Eh. C'est tout? Verrouillé. Je ne peux pas... Ouh. Je peux la déverrouiller. Alors question, est-ce que je peux faire caca dans l'urinoir? Toujours pas. Oh, quel dommage. Bon, toutes les shots sont faites ici. On est bon, on repart. On va discuter avec les flics. Bonjour. Oh! Looks like we've got another little junior crime fighter, boys. Is that it, kid? Well, the police can always use the help of concerned citizens. I guess we can give our little junior detective a special kitty case to work on. All right, listen up. There's somebody new to town, shaking up the crime families. Ah bon? This is a real bad dude, a kingpin of crime who wants to control all the drugs in the city. We've tracked him to this location here. I need you to go in and neutralize him. You lead point, my boys will be there after. If you take out the drug kingpin, we'll give you this junior detective badge. Now get out there. Il nous parle à nous comme il parle à ses flics. Ok, ça... Oh, j'avais pas vu ça. Dossier de tueur gaucher. Il y en a beaucoup. Beaucoup de gauchers sont des tueurs en vrai. N'est-ce pas, Nordal? Si tu regardes ça et que tu m'en reparles par contre, je vais être mort de rire en vrai. Bref, la poubelle. Non. Le... Non plus. Non plus? Ok, bon bah... Soft Room. Interview en en cours. Wouah, j'avais oublié! Coupé de Karen. Je peux m'asseoir si je veux. Ok, Hey, you help me out, I help you out. Grab a chair, hotshot, let's rap. Ok. Ça m'inquiète un peu. Non, pas Ben Affleck. I understand how this attention must be scary for you. You know what else is scary? Choking on Jared's $5 footlong. Stephen Amell plutôt. Grand Gustin. You take my headshot around town and I'll let you see what's in my bottom drawer here in my desk. Want to see what's in my bottom drawer? Huh? Non. Where's that smile? Go ahead, get my headshot out there and I'll give you a treat. Non. Non. Je veux pas faire ça. Quelle horreur. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Ok. Why not? Rien que je ne puisse... Oh, je l'avais pas vu celui-là. Crac, boum, hu, c'est parti la suite. Bon bah voilà, on a fini le poste de police. Quoique, non, je suis allé jusqu'au bout la dernière fois. J'y suis allé. Ça apparemment, je l'ai pas pris. Ok, bon bah... Tu peux trouver un endroit où épingler ma photo. Bah... Mais encore. Un endroit où épingler sa photo au poste de police. D'accord. Donc il y a un endroit où je peux épingler sa photo. Ah, attendez. Non. J'ai cru. Ouh, j'ai pas ouvert ça. Là. Ok, cool. Bon bah, why not, hein. Why not? Why the fuck not, comme on dit. Hein. Voilà, moi c'est là que je voudrais... Ah oui, d'accord. La mairie est un lieu très fréquenté. Mais bien sûr, je vais aller épingler ta photo à la mairie. Mais bien sûr. Tiens, regardez, juste derrière là. Il y avait un tout petit point doré. Vous avez peut-être pas vu. Moi si. Hop. Hashtag cette précision de la mort qui tue. Qu'est-ce que ça dit, hein, spécial? Résus!
Bonjour. I haven't seen you before. Non, effectivement. South Park is sliding into moral decline. Quoi? Stealing our cats. Non! Irlande de PQ. C'est normal ça. But we do need a hero. Not to make the hard sell, but do you see yourself as a good person? Well, I can understand the confusion, but there comes a time when we need to choose our path. Will you find Jesus and take the righteous path, or maybe you'll walk the middle way? Let's not talk about the third alternative. I'm part of the solution, not the problem. Take the first step, my child, by entering this meditative chamber, which will allow you to confront your deepest fears. Okay. Face your fears, new child. Face your fears. C'est la caverne, vous savez, de Yoda. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Yoda, fuck your mom. Non. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, Marcus, tu sauras. Oh, bonjour, tu sauras que c'est vrai. Non. Oh hey, I'm in your imagination. Just a friendly Catholic priest who would like to get to know you a little better. Yeah, non. That's right. I'm totally in your imagination too, about to give you a shoulder rub. Ever imagine you'd feel something like this? Let me adjust the lighting in here a bit so we can get some visuals with that. Non. 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 Oui, je vais. I guess this one likes that. No complaints here. Enlace le père. Ces ennemis utilisent l'attaque télégraphique indiquée par les cellules assurées sur la zone de combat. L'attaque télégraphique consomme un tour pour se charger et s'exécuteront autour de l'ennemi. Les cellules rouges indiquent les zones de dégâts d'une attaque télégraphique. Place-toi sur une cellule neutre pour éviter d'être touché. Tiens compte des templates d'avertissement car les attaques télégraphiques peuvent faire d'énormes ravages. Pardon. Mais du coup, je peux attaquer personne. Bon bah... fin du tour. What? Flagellation mutuelle? Non! Non! C'est dégueulasse! Ah, Savietsky, t'es pas de leur côté! Raté! Non, non, je sortirai pas. Ils sont... Non. Non. Vous êtes dégueulasse, monsieur. Merde. Ça m'a choqué. Non, dis pas ça. C'est bon, on l'a eu le premier. Putain, je veux même pas justifier le fait d'avoir tabassé un prêtre. J'en ai rien à cirer maintenant. Là, c'est trop dégueulasse comme scène. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Et je resterai pas planté là. Trop de vitesse. Non. Non. Non, je veux pas chanter Kumbaya avec toi. S'il te plaît. Merde, ça m'a choqué. Je suis désolé, il me choque. Il me choque tellement. Non, je veux pas la manière forte non plus. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Meurs, charogne. Merci. Lien de pureté. Non. Tenue céleste, gants célestes. Cool. Ça par contre c'est plus cool. J'aime bien avoir des nouveaux costumes. J'aime bien être habillé en présence des prêtres. C'est mieux. Ah. Merci. That's not what the Queen Spider says. I'll go say 10 mil Harry's. Oh. Oh, c'est dégueulasse. A rabbi friend gave me this macaroni picture. In times of trouble and tribulation, use it to call upon the prophet Moses. Good luck on your spiritual journey, my child. Première invocation. Ah non. C'est inconsommable. Si, c'est bon. Tu reçois la première invocation. Accède au menu, objet au cours de combat pour utiliser le radar. D'accord. Ah, les invocations sont des objets. Ah, je peux pas.
Hmm. Jesus saves sinners. Jesus. Pope, kneel. Before. Jesus. Kneel. Before. Jesus. Ah, voilà. Non. J'ai pas... Mais j'ai même pas regardé sur internet. Putain, j'espère que c'est pas une punition à la con. Putain, ça se trouve, ça m'a bloqué un truc. J'ai juste cherché un poil. Ah bah, je vais pas le refaire maintenant. What? J'ai juste cherché un tout petit peu. J'ai réfléchi, j'ai utilisé mon cerveau. Oh, je pensais pas que ça allait faire ça. Ok. Ouais, bah j'espère honnêtement que ça m'a pas poutré le... Putain, j'ai juste réfléchi, quoi. Honnêtement, je... Ouais, honnêtement, bah je suis content que ça m'ait pas pété quelque chose, parce que putain, c'était juste une réflexion, quoi. Ah, mais l'aide de la contemplation, bien sûr. What? J'ai remarqué qu'il y avait des caméras là-dedans, etc., etc. Le pape. Don't steal. Ah bah trop tard, je l'ai fait. D'ailleurs, il y a un... Non, c'est peut-être un détail, finalement. Oh, j'ai pas vu le... Je te choisis, I choose you, Pikachu! Bref. Hop. Rien d'autre à faire, rien d'autre à prendre. Ok, vendu! I'll be in touch soon when you're ready to take the next step. I would be proud to have a photo of us together after all we've been through. Ah, cool, il est gentil. Je m'écarte. Oh, quoi que, il est gentil lui, c'est pas le pire. Honnêtement. Puis en plus, regardez, on est derrière l'autre barrière. Mais quand même, au passage... Ça fait mal! Merci. Remember when Morgan Freeman was God? Oh yeah, I remember. Remember when Christians cared about the sick and the poor? Sure, I remember. Wouh, antidote. Autant pour moi! Ok, bah n'empêche que... Ouais. Ouais, enfin c'était sympa, cela dit, Cartman qui vient de voir... Pour te dire que t'es un tricheur, mais bon. Sympa, mais sur le coup, ça fait mal, hein. Enfin, ça fait surtout très chier. Désolé pour ce qui est arrivé, le nouveau, je vais tenir ce type à l'œil. C'était où? Il court, lui. Toujours intéressé par ce genre de choses. Bizarrement. Hop, les... Bon, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Église de South Park. Donc là-bas, il y a une barrière que je ne peux sans doute pas passer. Logique. Et ici, il y a l'arrière de l'école. Ok, j'ai pas le droit de passer ici. Why not? Bonjour, donne-moi le chapeau. Merci. Je m'en doutais un petit peu que ça allait être ça, enfin bon. Et nous voici arrivés à l'école. Oh, il y avait un téléport à l'école. Enfin, un déplacement rapide. On ne peut plus rapide même. Ok, on est bon. Du coup.
Du coup, on est à 20 minutes d'épisode. On va pas aller dans le faire l'histoire principale tout de suite. On a fait quelques petites quêtes secondaires déjà, c'est déjà pas mal. Mais j'aimerais bien aller poser l'image, la photo, vous savez. Tiens, regardez, ça doit être ici en plus. Non ? Non. Voilà, c'est ici, regardez. Ah, d'accord. Ah ! Ah, ça se trouve dans le magasin ? C'est ça qu'il fallait que je fasse. Voilà, ça fait deux. J'ai fait les deux chiottes. Telle est la question. Ah oui, je pouvais pas faire celui-là. Ouais, donc j'ai dû faire l'autre. Ok, cool. Bon. Bah du coup, on va essayer de trouver les autres endroits où on peut mettre une photo de notre ami. La mairie. La mairie, c'était pas une si mauvaise idée. Il nous a dit qu'on pouvait en faire une à la mairie. C'est parti! Je vois des choses en fond, chers amis. Ça m'inquiéterait presque. Ici, regardez. Who is Mysterion? Cool. Est-ce qu'il m'a envoyé un truc pour me dire la prochaine étape, c'est là-bas? Oui! Quand je fais la queue pour un café crème. Je peux pas y aller encore. Si? Je peux? Je ne sais pas. Ah non, je peux pas aller au Buca de Fagoncini. Bon. What? What? J'ai été agressé par des filles du raisin, ok, pourquoi pas. Elles sont hors de portée, donc c'est bon. Limite, c'est peut-être même mieux comme ça. Tiens, je place avec un allié, pardon, je me trompe. Je m'étais déjà planté une fois comme ça en plus. Boom! One shot! J'ai failli dire bitch. Par contre, j'ai toujours aussi mal à la gorge. Je suis hors de portée. Et ça m'emmerde d'aller là-bas. Là, je suis bon. Hop là! Boom, bitch! Et tu pourras pas m'avoir. Ok, hop. Est-ce que j'ai... Dégage, fillette! Voilà. Ça va pas me toucher quand même. Je suis ensorcelé! Time to move. Ok. Ok. Je suis hors de portée. Non, c'est bon? Ouais, non. Non, ça n'est pas bon. Boum! Voilà, c'est ça qui est bon. Crac. Je peux rien faire de plus. D'accord, je suis d'avoir une cible pour le faire. Bon, c'est bon à savoir en soi. Hein. Ah non, je pensais pas que je l'attaquerais. Merde! Bon, c'est pas grave. Super Craig a pris un coup, le pauvre. Bon, bah... J'adore quand il dit ça. Dégage! Boum, boum! Voilà, ça c'est fait. Il en reste plus qu'une. Il va pas y avoir une voiture là ou un truc comme ça. On a du bol en termes de bagnole, hein. Y'a pas grand chose. Tu ne me vois plus! Je suis trop rapide pour toi! On est à 89%, c'est donc pas suffisant.
Ouais, vendu. Hop. Et voilà, dégage. Super Friends, etc, etc. Cool, victoire. On a battu des filles, génial. Cool. On a le premier niveau. Génial, bah écoutez, c'est sympa. Mince, je m'en veux du coup, mais sans rancune. Bon. Est-ce que je peux voir plus ou moins... What? Parle à Morgan Freeman. Ouh! On va aller parler à Morgan Freeman. Mais oui, c'est bien. Cause toujours, tu m'intéresses pas. Voilà. On y est. Morgan! Oh! Je viens de me rendre compte que... Welcome to Freeman's Tacos. Bon, ça sert pas à grand chose par contre. Freeman's Tacos is completely craft your own. D'accord. You know what crafting is, don't you? Just open up that crafting menu and we can get started. Okay. You can combine food items into whatever you like. Mm-hmm. Let's start with a staple, the burrito. A warm tortilla wrapped around, well, any old something. Here, I'll give you what you need to get started. This here shows how much food you need to fill up that tortilla. Now to just put it all together. Okay. Well done, kid. Merci. Now that you've got your first taste of crafting, let's dig in. Okay. You can combine food items into whatever you like. Go ahead. See what happens if you combine a burrito and an enchilada. Congratulations, new kid. With an enchilada and a burrito, you've crafted... An enchilrito. That's the first time anyone's ever done that. And what the hell? Have a few more recipes. They might just save your stupid ass. Il est excellent. J'adore. J'adore. Photo. Nothing left to do now but document this moment in human history with a selfie. Ok, c'est Morgan Freeman. Photo. Bonheur. Voilà. C'est Morgan Freeman. J'y peux rien. Okay, let's never do that again. D'accord. Merci pour ton aide qui n'en était pas une. Incroyable Trouduc. Gants fatalistes, c'est joli. Ils sont stylés. Gants incroyable Trouduc. Tenue Anarchix. Arachnix, pardon. Arachni. Je sais pas comment le dire. Incroyable trou du clé tenu. D'accord. Casque de Fatalis, ça a l'air stylé aussi ça. Wouah ! Casque cyberloup, mais c'est méga stylé. Casque nordique. Ok. Couvre-chef. Ok, pourquoi pas. Gants cyberloup, mais ils sont super méga stylés. Pour certains. Wouah, le nordique, il est méga stylé aussi. Ah. Bon, tout ce que j'ai pas déjà fait, je le fais. Déjà créé, cool. Casque de Fatalis, je l'avais pas. Bon, voilà, vendu. Gant Fatalis. Ok. Gant incroyable Trouduc. On a tellement de chance. Tenue Arachnix. Tenue Fatalis. Oui, c'était ça. Tenue incroyable Trouduc. Et voilà, nous sommes niveau 9, chers amis. Oh. J'ai les gants de cyberloup. Ok, cool. J'adore. J'adore, j'adore. Au niveau des artefacts, que puis-je faire? Lame cachée. Wouah! C'est pété, c'est 60 en termes de puissance. Il me faut quoi pour la lame cachée niveau 2? D'accord, j'imagine que c'est... 11 de puissance qu'il me faudra. Ok, c'est pas grave. Bon, du coup, artefact. De puissance 60. J'aurais presque en faire deux finalement si je pouvais. C'est
Stylé. Bon, puissance 100 pour Marcus, c'est cool. Ok. En termes de costume, est-ce qu'on change quelque chose? Ah! Pour le prochain épisode. Non. Jamais. Ça encore, ça va. C'est quoi ça? Insecte? D'accord. Ça non, jamais non plus. Oh, la tenue du roi grand mage. C'est stylé aussi, mais c'est du passé tout ça. Bah du coup j'ai bien envie de mettre ça, mais c'est pas le truc qui fait le plus rapide. Je vais peut-être mettre ça alors, vendu. Piu, c'est pas si mal. Tête. Ouais. Pourquoi pas. Et pourquoi pas. Comme dirait notre gouvernement, enfin notre président. Je vois que ça, hein. Pour matcher avec le reste. Je ne vois que ça. Hop là. Tellement de style. Bon, alors, au niveau des gants, j'avais ça. Qui va être carrément stylé. Je vais juste m'assurer que ce soit le bon rouge. Voilà. Les lunettes. On va pas mettre le masque. Alors je vais mettre ça. En termes de cheveux, je vais pas changer. Pilosité faciale, je vais pas changer. Maquillage. Non. 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 Ah, je l'ai pas. Ok. Excuse-moi, autant pour moi. Hop, bah voilà, on est pas trop mal. Just one more thing. Oui. They say that some farts are so powerful they can actually bend the fabric of time. You be careful out there. Des proutes qui peuvent baiser la structure du temps. Soyons fous. Pourquoi pas? Je sais que je vais le répéter très souvent, hein, mais. Et pourquoi pas? Bien, cet épisode commence à être excessivement long. Je ne veux pas dire. You could try tossing your farts at enemies to gain an advantage in combat. Use them to gross them out and punch them while they're up chucking. Oui, je connais le principe, mais merci. Aren't superheroes kind of played out? Move along, we're creating chaos. Voilà, bon bah j'en ai frappé qu'un malheureusement parce qu'ils m'ont tous vu avant. Mais bon, c'est comme ça. Bon bah bataille. Ils sont à 5, on est 4. Ça me fait plus chier. Hop là, boum, boum. Ah, il me touche. Enfin, dit comme ça, c'est dégueulasse, mais on m'avait compris. Ah, ça a klaxonné. Hop. Boom, bitch. Ok, bon bah vas-y, effraie-le avec tes lasers. Ah, je l'ai loupé, dommage. What? D'accord. Here I come to save the day. Oh. Pourquoi je peux pas? Je suis à portée pourtant. Bon bah... Tant pis. BOOM! Hey, are those real special effects or CGI? CGI! du coup... je vais me mettre là. Je vais frapper celui-là. Hop là! BOUF! You ain't
Un de moins. YOLO. Il l'a dit. Toi. Ah merde. Concentre-toi, Marcus. Voilà, un de plus. Enfin, un de moins. Boum. Ok. Why not? J'ai pas eu l'occasion de. Ah la vache. Comment je vais faire ça? Ah tiens, on l'a pas encore fait dans cet épisode. Attends. Là, je peux pas le faire, il est pas... Dommage. Bon, on va attendre alors. Brûle un peu, c'est pas grave, on t'en voudra, mais... Ok, tiens, bouffe. Pourtant, c'est super simple comme... action, hein, mais... Mais c'est pas grave. Et boum! Et boum! Bon, du coup... Ah non, j'ai toujours pas le... L'ulti. Là, je l'ai. Hop, parfait. Parfaitement. Parfait! Boum! Voilà, get wrecked. Ça, c'était bon. C'était même très très bon la façon dont c'était dit. Ok, cool. Bah voilà, on a wrecked des enfants. Tenue d'agent psy. Costume, agent psy, casque agent psy, d'accord. Et donc on a au-dessus... D'accord, c'est juste des chaussures pour les rendre tous... vous savez. Bonjour. Bah écoute, je vais... Hein? Mettre une photo d'un... Sorry, young man, I can only take selfies with customers. Have you seen our seasonal menu? It's like putting on your favorite flask à pouvoir orgasmique. Oh putain, c'est dégueulasse. Bah je vais te prendre ça. Well, you sure got my balls in the French press with that deal. Well, it sure was a pleasure. Donc, du coup maintenant, vu que j'ai acheté un truc et que je suis un client. Ah, bah voilà, un homme gentil. Par contre, oui, du coup. Bon, vas-y, why not. Je regardais ailleurs, mais c'est pas grave. Ah. Bonjour. Twig va jamais bien. Hein. Enfin, le mec, c'est juste une boule de stress ambulante, quoi. Twig? Twig, je viens en paix, Twig. Je veux seulement t'aider, Twig. Ne fais pas l'erreur de croire autre chose, Twig. Je peux pas passer? Je ne peux pas passer. Parfait. Bon. J'imagine qu'il faudra la réveiller après. You're never too young to drink coffee. Ok, cool. Bon bah voilà, un point. On est à pratiquement 40 minutes d'épisode. Je suis désolé, chers amis, j'ai un petit peu dépassé le délai, mais je m'amusais tellement. Je vous laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!